Bonjour, je suis Philippe Borden, prêtre du diocèse de Nanterre. Je suis actuellement recteur de l'Institut catholique de Paris et je me réjouis de venir à Amiens. Amiens est l'un des diocèses fondateurs de notre université catholique. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, je travaille sur ce grand texte, la constitution pastorale du Concile Vatican II, l'Église dans le monde de ce temps. Gaudium et Spes. Ce texte est nouveau parce que le concile, les évêques réunis en concile voulaient absolument d'une part s'adresser à tous les hommes, d'autre part voulaient leur parler des questions qui agitent nos sociétés, qui agitent tous les êtres humains, à savoir comment construire un monde plus juste, comment ce qu'on appelle les questions morales, comment construire le bien, comment éviter le mal. Et l'Église avait une manière très juridique d'aborder toutes ces questions en disant « voilà, nous sommes l'Église, nous avons reçu la révélation et de ce fait, il y a une expérience qui nous permet de dire ce qu'il faut faire ». Et là, on voit que les évêques se disent « il faut, sous le souffle du Concile, il faut donner une autre manière de présenter ces questions qui, en fait, habitent tous les hommes ». Et donc la nouveauté, c'est qu'on s'adresse à tous les hommes à partir de ce qu'ils savent déjà. À partir de... Et ce qu'on sait, on le sait parfois par des certitudes, mais on le sait aussi par de grandes interrogations sur la vie, la mort, le sens de notre existence, de celle des personnes qui sont proches, lointaines, des plus pauvres notamment, de tous ceux qui souffrent. Donc c'est cette manière de parler du Concile qui a tellement touché le cœur des hommes que immédiatement Gaudium et Spes a changé l'image de l'Église dans la société des années 1960. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une provocation pour nous tous chrétiens à oser parler des questions morales, des questions de société, des questions qui concernent le respect de la vie depuis son commencement jusqu'à la fin, le respect de l'étranger, oser parler de ces questions vraiment à partir de la lumière qui nous vient de l'Évangile, de la Bible plus largement, mais le faire en respectant la manière dont la question naît dans le cœur de tous les hommes aujourd'hui. Il y a des questions qui sont inévitables. Que faire quand une personne a été prolongée en vie par la médecine ? Et qu'on se trouve avoir à vivre avec elle sans bien savoir comment s'y prendre. Ça, c'est une vraie question. Que faire aujourd'hui quand des personnes réclament que le mariage soit aussi accessible aux personnes de même sexe? Ce n'est pas la position de l'Église. Et Gaudium et Spes ne parle pas de ces deux questions que je viens de citer, mais je pense que Gaudium et Spes propose une méthode pour réfléchir ces questions avec tous les hommes, sans cacher la foi qui nous anime, mais de manière extrêmement respectueuse, non pas parce que c'est politiquement correct, mais parce que ça vient de notre foi, de croire que l'Esprit-Saint agit dans le cœur de tous les hommes, et que donc ce dialogue que nous conduisons les uns avec les autres nous aidera les uns et les autres à y voir plus clair et à faire la volonté de Dieu. Comment faire pour que le monde soit irrigué de charité, que les plus pauvres trouvent du travail, un logement et le droit à l'éducation, que les peuples qui aujourd'hui sont les oubliés de la terre parce qu'ils sont dans un pays en guerre, comment ont-ils le droit que leur dignité la plus fondamentale soit respectée? Et donc, pour Gaudium et Spes, tout ça, ça vient de la charité de Dieu que Jésus, le Verbe incarné, nous a révélé. Eh bien, je pense que donc aujourd'hui, c'est en relisant Gaudium et Spes l'occasion de donner un vrai souffle de foi. C'est aussi l'année de la foi qui commence en octobre 2012, qui nous conduira jusqu'en 2013. C'est vraiment une très belle occasion que de se replonger dans Gaudium et Spes pour nourrir la charité, l'amour de tous les hommes, de la charité qui vient de Dieu, qui nous est révélée en Jésus-Christ et qui souffle dans nos cœurs par l'Esprit-Saint.